Bonjour, bonsoir la famille, comment nous dit? Définitivement là, nous finissons par comprendre, communauté internationale, là, bon jouet, coquin l'a joué avec Haïti. Et dans ça qui est pour avec sécurité paysan, si Napton, c'est États-Unis, Canada, avec un paquet l'autre pays, pour venir rétablir sécurité, venir bataille à gang, venir mettre gang dehors, venir touiller bandit pour nous, Napton, puis mal que pour attendre, rien pas jamais réglé. Rien pas jamais réglé. Est-ce que nous songez que vous fond de basket, États-Unis, Canada, un paquet l'autre pays, t'as mettre l'argent pour aider PNH, pour aider la police nationale d'Haïti, faire face avec question de sécurité, n'acheter, joindre l'argent disponible pour acheter matériel, équipement, etc. Et bon, pral saisi, avec plus passé 10 millions de dollars américains, qui s'appuient décider bailler la police nationale d'Haïti comme équipement pour aller combattre l'insécurité, pour aller battre avec bandit. Et pas de respect. Restez là, je vais vous donner plus de détails. Demain lundi, c'est à installation officielle à CT, au Conseil Transition, Premier ministre Ariel Henry, avec différents autres secteurs de pays, t'es décidé de jouer un accord entre eux-mêmes pour mettre campé un haut conseil de transition qui pral gagner responsabilité, qui pral gagner pour mission, pour gérer des points clés, des points stratégiques dans plusieurs domaines politiques en dedans la République. Tant coup, réforme constitutionnelle, préparer élection, etc., etc. Est-ce que le haut conseil de transition a privé tout le monde installé de lundi. Qui a venu au conseil de transition? Le n'a gardé coalition politique, le n'a gardé différentes structures politiques dans moment-là qui décide de mettre tête ensemble, non seulement dans l'idée pour continuer à contester légitimité à Ariel Henry sous pouvoir, mais tout constater des gars et garder comment élection ka fait en dedans dans la République avec yon lot gouvernement, yon lot pouvoir, yon lot transition. Et n'a gagné pour nous finir avec yon interview Line Baltazar qui se président PHTK. Côté que Line Baltazar, mon cher, li pa comprendre qui jouait coquin André Michel a joué par bon côté Ariel Henry. On dirait que c'est André Michel seulement qui gagnait relation directe avec Ariel Henry. Nous tous songeons, Line Baltazar, PHTK, li te signé encore en septembre. Eh bien, journée aujourd'hui, c'est pied qu'a voué, c'est con qu'a troqué, parce que André Michel, c'est lui-même qui voulait tout pouvoir, qui voulait gagner contrôle tout bagaille, lui-même seul. Ou bra, j'en toute information, ça y va, pilote, déjà, m'a invité sous pourquoi abonner avec TAC 509, abonner, activer tes cloches notification, pour pas rater aucune vidéo, n'a gagné pour nous poster. Définitivement, ça me pral di an la, m konnen gen moun k ap d'accord, gen moun ki pa d'accord, gen moun k ap kontan, gen moun ki pa kontan. Mais constant fait, pays an rive kote liye la, c'est parce que nous démissionner comme peuple. Nous comme peuple qui démissionner, haïtien démissionner dans moment là. Ou a vive en province, ça k ap passe dans capital pays an, li pa concerne nous. Gen zanmi ki nan diaspora, en pile nan yo sa ka passe nan pays yon la li pa concerné yo puisque yo di c'est mauvais choix politique ou pa ket haïtien te fait c'est ça yo te fait paye li pa gade yo yo besoin rencontrer la famille yo faire famille yo vin en République Dominicaine Haïti pa gade yo Haïti pa concerné yo mais comme ça tout me connaît gros paquet l'autre haïtien en Haïti gros paquet l'autre haïtien dans diaspora qui yo même yo pa vivre bien yo pa dormi bien à cause problème pays à cause insécurité qui a ravagé pays yo yo besoin rentrer en Haïti vinn prendre vacances yo pas capable à cause un groupe malandrin à cause un groupe criminel on paquet nèg qui fait politique qui fait mauvais politique qui prend mauvais décision qui mette zam nan ghetto qui armer jeunesse qui armer population c'est un fait son constat lié mais si nous prenons plus loin pour nous garder quantité moun, nèg ak sapat, nèg ak cravate. Est-ce que yon dépassé? Est-ce que yon plus que nous-mêmes qui voulons stabilité pour pays ya? Qui voulons sécurité pour pays ya? Au moins nèg sa, si nous tap totalisé, nous tap comptabilisé, au cas où on 5 000 ou 10 000. On nèg ak vest, on politicien criminel, politicien malachon avec bandit sa yo ki nan la, yon ka on 10 000 moun, on 20 000 moun au total. Mais le n'a constaté, nous plus passe yo, nan diaspora seulement gen 3 millions moun. En Haïti la, si n'a comptabilisé combien nous yon, yon plus passe 10 millions moun.
Donc journée jodi là, si n'a pas tiré mauvais grain yo, si n'a pas tiré ça pas bon yo, criminel yo, assassin yo, non bon haïtien, on haïtien conséquent yo, au moins à un certain moment faut nous ta camper pour nous dire nous pas qu'à continuer à accepter nos petits points vagabonds criminels à craser pays, à craser Haïti sans que nous-mêmes nous pas réagir, sans que nous pas porter solution par nous dans problème pays. Solution c'est qui s'allier. C'est un coup commissaire Ronald Richmond dit Mabdou. Non menti sans combien nèg. Non menti sans là, mis à part de bandi qui rete. Ou pensez gen moun sérieux qui rete dans Matisan dans moment là? Mis à part de nèg Izo qui contrôle Matisan. Yo t'a poussé moun honnête yo qui te Matisan. Yo t'a poussé do yo aller parce que yo t'a touyé yo, yo t'a violé yo, yo t'a kidnappé yo. Les gars de gang moun yo victime, donc moun yo t'a obligé courir aller, yo t'a obligé tourner refuge dans propre pays yo. Par rapport avec situation ça, l'on regarde ça qui a passé Matisan. On regarde grand sud là qui bloqué à cause d'un petit groupe vagabond. Question pour poser tout, qui ça l'état doit faire? Qui est-ce qui prend assez courage? Qui est-ce qui prend assez brave? Soit pour démanteler gang ça dans le village ou bien pour affronter l'histoire pour dire bon OK, on pas quitter au 300 petits vagabonds, au 1000 petits vagabonds finir avec paysan, finir avec tout et 3-4 départements dans grand sud là. Bon, moi même prends responsabilité, m'éradiquer yo. On prend responsabilité, m'a porter bourre sou yo, m'a affronter yo, c'est vrai qu'il y a dommage collatéraux, mais m'a font bagaille, non m'a prétendre dans l'histoire. Oui, oh, gain réseau droit moun, gain organisation défense droit moun. Mais faut nous affronter réalité. En réalité, c'est qui ça? Réalité, je ne j'en dis. Par rapport avec réseau droit moun, nous toujours dit réseau droit moun, pas vrai policier travail, poursuivre policier, etc. Ça vient créer un climat dans le PNH. Même moi, état-major la police, yon plus vle, yon plus vle mener opération côté que yon pral vle policier yon mourir. Yo toalier yo ak gang ak bandi yo ba information sou policier parce que yo konnen n'importe opération ki al mené yo t'attendé après ça oh gen moun nan population civile la ki tombe ki victime réseau droit moun yo pral di c'est dommage collatéral c'est massacre policier fait policier ça yo pral prendre prison ben nèg ki nan la police tout liquide policier a li tout liquide policier a ça vient renforcer position bandi yo journée jodi ki ça ki doit faire avec Matisan. Qui ça qui doit faire avec Canaran? Qui ça qui doit faire avec Vite l'homme? Qui ça qui doit faire avec l'homme sans jour? Est-ce que l'État pral prend responsabilité pour éradiquer fléau ça? Ou bien yo pral assumer responsabilité pour combattre bandi yo, mettre au côté soit pour machine pas frapper ou bien mettre fin à carrière criminelle yo? Pas de route pas bois parce que nous pas qu'à tolérer, nous pas qu'à continuer à accepter pour nous gon pays côté que nous pas qu'à vivre là-dedans. Tout le monde s'est créé condition pour quitter Haïti. Après États-Unis fin avec programme Biden, non kounya c'est tout pas Brésil qui a ba un PI visa pour Haïtien rentrer etc. Donc si chaque grand haïtien c'est papier l'a préparé pour quitter Haïti, bon définitivement pas gen moun k'ap parler pour pays. Définitivement pas gen moun k'ap camper pour défendre Haïti. Yon bon matin. M'bral di non. Ou parle de Port-au-Prince, c'est capital pays. C'est pas seulement capital pays, c'est capital économique, c'est capital politique. Tout ministère, toute institution étatique, yon kote yon Port-au-Prince. Ou besoin de diplôme, bac de kote pou vin pral. Ou te maintenant n'importe ville de province, kote pou vin pral, Port-au-Prince, en dedans ministère éducation nationale. L'hôpital yon, kote oxygène absorti. Port-au-Prince, ou besoin de gaz pour fonctionner dans la ville de province, dans 9 autres départements, côté pour sortir dans le département l'ouest, dans Port-au-Prince. Joune jodi, nous accepté, on tipon un vagabond, nous arrivons à identifier, et puis l'État pas jamais qu'à faire, parce que même l'État, ça, son l'État qui gangsterise, son l'État criminel. On nous garde la garde petite cartographie. En cartographie, côté que, ou est-ce que gang net qui contrôle Port-au-Prince? Ou regardez G9 en bas. Ou ap gade Canaran rentre dans pays an. Ou ap gade 400 marozo pran plein nan kwa de bouquet. Ou ap gade Vite l'homme ni même li gon contrôle nan Petionville la. Ou ap gade Timakak gen contrôle en les Petionville la boule Thomasin. Ou ap gade Tilapli li même toujours et nan Port-au-Prince. Ou ap gade Izo, ou ap gade Izo. Donc non seulement gang Port-au-Prince gangsterize yo mette Port-au-Prince gang contrôle 4 points cardinaux yo contrôle nord yo contrôle sud yo contrôle l'est yo contrôle l'ouest
Et même bandit ça, ou même groupe armé ça, yo fait fusion, yo fait alliance. Nègla li ka contrôler rentrer sud pays tant kou izo et puis li gen alliance si li gen partenariat li avec nèg canarien yo ki contrôler rentrer nord pays. Vite l'homme gen alliance si avec l'autre groupe gang. Et nèg 400 marozo yo l'homme sans jou gen alliance si avec l'autre groupe gang. Donc ou virer en l'air prend, ou virer en bas prend, passer à droite ou prend, passer à gauche ou prend. Journée jodi an la qui ça nous besoin pour nous remédier avec situation ça, est-ce que gros plan B pour PNH pour sécurité en dedans pays? Et c'est là international là il va intervenir, c'est là tout j'ai pral fixer sous communauté internationale là. Canada si on est espace aérien, est-ce que son dans qui objectif, qui ça va porter de positif, qui ça va porter de plus? Eh bien dans l'idée pour t'aider PNH pour aider Haïti faire face avec question gang, question bandit. En dehors des Nations Unies, on fait un basket côté que différents pays pral mettre, reprendre, yo a mettre ça au gain dans assiette blanc, dans bol, dans nous porter bol blanche nous devant, yo a mettre pour nous, yo a mettre pour nous. Avant d'aller plus loin, faut moi ba non une petite explication sur fond basket là. Et moi connais des amis qui connaient aller dans market, dans restaurant. Nous connaissons un petit coin et surtout dans zone porte d'entrée là. Dans zone porte d'entrée ou bien porte de sortie là, yo connait mettre une petite boîte dans mur yo. Dans ti boîte ça yo ka mette don pour UNICEF, don pour telle organisation etc. Eh bien c'est comme ça son basket là. Ou même qui besoin aider, ou même qui veut aider, le regarder où est gon fond basket là pour Haïti et puis on met des soirées. Si so vle bay l'on mette le, so vle fè cadeau, on fè cadeau. Eh bien c'est dans l'idée ça pour aider Haïti avec problème insécurité, question gang et des PNH, yo te décidé mettre un fond de basket pour Haïti. Eh bien, dans fond de basket ça, non moins que yon l'année, nous t'apprends récolter moins de 12 millions de dollars. Eh bien, nud lui-même qui gagne responsabilité, nud qui t'a géré programme fond de basket là, qui c'est programme des Nations Unies pour le développement. C'est lui-même qui a une responsabilité pour acheter ça nous besoin. C'est lui-même qui a une responsabilité pour dépenser l'argent pour Haïti, pour payer un achat. Vous pouvez saisir, attendez, qui ça nègre décide de nous comme équipement, comme matériel, avec 12 millions de dollars pour nous et pour payer un achat, pour nous répondre avec question gang, question insécurité. Attendez, mes amis. Avec l'argent, ça, comme. Au niveau national, en Haïti, là, gen matériel, y a besoin, PNH a besoin, pas gen yo, et bien, achat yo al fait à l'étranger. Comme gen yon tout, exigence, sous qualité matériel, PNH a besoin, sous prix, yo, tout y a gade matériel qui vend, et moins cher, est-ce que nous ka acheter plus dans tel bagay, dans tel produit, dans tel produit, et bien, qui sa nous décide bay PNH? Parce que, sinon, yo décide pour yo bay la police nationale d'Haïti, 25 véhicules de patrouille standardisés. Bon, les standardisés, on va connait et qui ça va le mettre là-dedans, qui ça va le gagner de particulier, mais là toujours bay véhicules de patrouille. C'est un peu copier on va ou bien petit machine yo. Nous songe boulos te gros paquet, te gros paquet Nissan ni te besoin retirer dans rolette li. Li te dit li avec l'état haïtien et puis sortant de là et PNH en plein nouveau machine, oh, nous fait gain et nous fait gros paquet machine là et puis l'on regarde le paquet Nissan bandi pété ben, m'a besoin que je bandi fait bailler ça retourner pas soi. Yo kidnap, yo kidnappé agent de police là dedans, yo prend yo redouko, il était chargé net. Nous décidons d'acheter 25 véhicules de patrouille standardisés pour PNH. Yo décidé avec moins de 12 millions de dollars pour acheter en deuxième lieu, yo a acheté 300 radiocommunications. Nous gagnons plus que 12 000 policiers. Il a acheté 300 radios de communication. Il a acheté 250 motocyclettes. Non, bah là comme il quoi. Nous avons près de 12 000 policiers. C'est vrai, on va pas acheter pour toutes 12 000 policiers. Hein? C'est vrai, on va pas acheter pour 10 000 policiers. Mais journée jodi an la, est-ce que pas gen ba équipe pressant PNH en mérité? Yo pral acheter une dizaine de drones de surveillance avec drones de cartographie. Bon ça peut-être li même li sont bonne nouvelle parce que nous pas gen drones de surveillance, nous pas gen drones de cartographie qui ka survoler Port-au-Prince là
pour faire cartographie, pour faire photo et nègyo, bandio, espacio, périmètre, etc. Ça est extrêmement important et PNH a besoin vraiment. Il a profité d'acheter une dizaine de drones de surveillance et de cartographie. Qu'on y a aller plus loin. Pour nous répondre avec question de sécurité, hein, avec même l'agence a toujours, il a décidé de faire un coup de pied en dedans l'école nationale de police. Qui ça va le faire? Le pral conscient d'autres qui a capran environ 300 aspirants policiers. Le candidat là le fait maintenant l'école nationale de police là prend formation pour devenir policier, faut gagne côté pour dormir mais on pral fond d'autres qui a capran 300 aspirants. Yo pral conscient bâtiment qui a gagné 16 salles de classe là-dedans. Salle de classe ça yo a gagné un laboratoire informatique, a gagné un laboratoire de langue. Et puis dans même fond basket ça toujours si rete, yo a gardé est-ce que gagne possibilité pour yo acheter pièce machine pour policier yo pièce machine au cas où machine yo ta en panne etc. pour yo ka changer pièce yo. Mais qui ça nous décide de faire avec près de 12 millions de dollars américains pour aider police nationale d'Haïti. Ben, ou même, bah, qu'on est qui commentaire à faire par rapport avec matériel, ça, ou équipement, ça, yo. Est-ce qu'on trouve son bonne chose? Est-ce qu'on trouve son mauvaise chose? Qui sort, ouais, t'es qu'à faire de mieux avec l'argent, ça? Est-ce que, je n'ai jamais dit, en là, PNH, c'est problème d'autre, le gagné? Est-ce que PNH, c'est problème radio de communication, le gagné? Est-ce que PNH, c'est problème salle informatique, le gagné? Salle de langue, le gagné? Est-ce que PNH a besoin de drone? Oui. Est-ce que PNH a besoin d'hélicoptère? Oui. Est-ce que PNH a besoin d'équipement de protection individuelle pour policiers aux questions gilets par balles? Oui. Mais est-ce que nous sommes là dans l'issue de notre cité? Avant d'aller plus loin, je remarque et je vais partager avec nous. Et dans l'émission vendredi, je suis passé une interview ancien DG de la police, Mario André Sol. Bonne question, journaliste Wendell Théodore te pose. Dans ce qui est pour avec nécessité qui est dans la police et surtout et recommandation policiers yo a fait policiers qui yo même et yo policiers qui révolté yo policiers qui décide dans moment là pour yo attaquer institution parce que pas gagné en bonne gestion pas une bonne gouvernance dedans la police. Yo te mandé ancien DG la police. Et par rapport avec demande sa policier au fait pour gagner hélicoptère en dedans institution et comment le comprendre ça Mario André Sol Mario André Sol il demande qui est-ce qui va le piloter hélicoptère mais faut moi dit non nous pas obligé prendre tout le monde pour macaque tout haïtien pour macaque et c'est occasion tout oui pour peuple commencer ouais qui est-ce qui avec qui est-ce qui pas avec c'est occasion tout oui pour peuple montrer yo intelligent pour yo comprendre jouer coquin cap jouer avec un paquet nèg qui chef qui est ancien chef ou bien qui pral vini chef en deux dans la République. Oui. Au moun qui monte en bécan, il te kon monte bécan, non? Et pas apprenne ni apprenne monte bécan, non? Li dormi ou elle monte, li kon conduit bécan et puis le conduit bécan, non? Non! Li apprenne! Li apprenne! Li commence avec tricycle, ça gagne trois ou yo, et puis après le pré équilibre, yo retire un ou, kou nyal ka conduit deux ou, li conduit bécan, li conduit bicyclette, c'est apprenne! C'est qu'on s'en est créé tout seul dans votre maman ou t'es qu'on conduit machine. C'est qu'on s'en est créé ou seul dans votre maman ou t'es qu'on militaire ou t'es qu'on conduit les armes ou t'es qu'on vient dans tête la police comme des genoux. Ou apprendre. Journée aujourd'hui, si PNH a un hélicoptère, m'ba ou garanti même j'en ouais. Gen instructeur qui sorti au Canada qui rentre en Haïti matin midi soir qui fait pour aspirant policier ou rouler à terre qui baille un policier. Policiers, élèves, commissaires, yo kap bay yo formation, etc. Si yon gen bonne volonté, PNH ta gen hélicoptère, sa gen yo pa te kap bay yo formation. Sa gen yo pa te kap bay yo pilote formation. Sa gen États-Unis pa te kap bay yo pilote haïtien formation. Et là tout, oui, pour kalou, est-ce que yon gen volonté? Est-ce que nèg yo vle sécurité en Haïti? Est-ce que nèg yo ta remè wè pour gen sécurité, pour gen la paix, pour gen tranquillité dans la région tout bon vrai? C'est là où c'est petit détail ça. L'homme on a parlé, c'est pas seulement vini comme si vin faire zin, vin faire bif lité bol pat bo fort prendre temps pour tendre ça mon n'a dit pour analyser pour comprendre. De chaque parole on moun dit ou même ou ka gon réaction parce que journée aujourd'hui là qui ça met pays en côté lié là. C'est action paquet nèg, c'est inaction l'autre groupe nèg.
C'est action au paquet criminel délinquant fait sous population, exaction a fait sous population, non mi ta population, et inaction majorité peuple qui était en silence, qui a regardé comment gouvernement Ariel là, il a plus fort dans corruption, il a plus fort dans corruption, que il cherche solution avec problème pays. Question à poser, j'en m'en dit nous, demain, c'est peut-être installation au conseil de transition. Mais pour l'installation au conseil de transition, tu es fait. Tu as un chit à parler qui t'est fait entre différents acteurs, différentes structures politiques pour y rejoindre en tête. Que on conteste, que on pas conteste, le jour et jeudi, Ariel Henry, li élargi cadran, li jwenn on en tête avec un paquet de l'autre catégorie moun qui ka fait ka bon HCT. Pas d'acte bon accord Montana. Mouna comme Montana yo meton bureau yo mette campé on tité bureau suivi à comme Montana BSA en dedans BSA ça te bon bataille te bon laisser frapper chaque pougon on chita parler avec Ariel Henry chaque pougon dialogue en concertation avec Ariel Henry c'est toujours bah la finir que le poisson c'est l'orbeille c'est zin ou pral comprendre pour qui ça. Nous tous, nous, les pays, ont des problèmes politiques. Et même international, là, tant qu'au Canada, l'idou, l'y paraît pour l'aider Haïti sous quatre piliers. Premier bagage, dialogue inclusif haïtien. Et là, nous pouvons jamais qu'à décider entre nous. Deuxième bagage, là, faut que sanctions, yo, prennent pas bon côté, la caille pas, yo, pour sanctionner élite haïtienne, non? Que dans le secteur économique, que dans le secteur politique. Nexa, yo, dit qu'à financer gang. Troisième bagage, c'est aide humanitaire. Yo, d'où, yo, prêt pour yo investir des millions de dollars, pour yo financer question aide humanitaire pour Haïti. Et quatrième bagage, là, c'est ça qui vient pour avec assistance sécuritaire jonté avion militaire t'a survolé Haïti. Mais journée jodi Ariel lui même pendant bon parle que d'accord que pas d'accord que on veut que parle Ariel lui montre international langue bonne volonté. Oui, lui a bonne volonté parce que dit tout le monde vient parler avec elle, vient chita parler avec elle. Mais nous même nous gagne de toute fait nous est-ce que faut ouais payant si ces solutions politiques n'attendent pour joindre en tête qui pour joindre différents acteurs pour retirer Haïti côté lien là la difficile et la extrêmement difficile jour 2022 elle gaspiller l'aller à comme ça 2023 gaspiller le bras pour qui ça yo dou les mêmes causes dans les mêmes circonstances produisent les mêmes effets si Ariel préalablement te gen dit lui-même li pas troquer li pas changer place avec personne moun. Là, on déjà comprendre. Si on vient parler Ariel de exécutif bicéphale, faut que bon président, faut que bon premier ministre ou fait élection, Jean Montana te fait par exemple. Ou pense Ariel a jamb dans l'eau, sous qui sa discussion ça a toujours abouti. L'a toujours fini en que le poisson n'est pas jamb résoudre. Et c'est une des raisons si nous constatons n'a point. Ariel pral gagner plus que 19 mois là dans tes pays. Gardez depuis qu'il est Montana a fait chita parler avec Ariel Henry. Ou j'aime bon en tête qui fait. Ou j'aime jouer nos solutions entre deux parties. Non. Parce que chaque coup Montana a leur tourné, leur relance le dialogue, c'est toujours même bagay. Exécutif bicéphale. Ariel pas j'aime d'accord. Et même j'en tout, bon paquet l'autre acteur politique, yon toujours dou comme ça. Ok, yon vle dialogue politique, yon vle entente. Nèg la ou commencé à dialoguer avec en 2020, li dou kon sa li même, c'est li pou mete premier ministre, c'est li pou mete directeur la police, c'est li même qui pou mete par exemple et ministre finance. En 2020 ou dou. En 2021 nous relancer dialogue, li vin avec même bagay encore. C'est li pou faire ceci, c'est li pou faire cela, c'est li pou faire cela bas. Ou pas d'accord. En 2023, li di ok, li pare pour dialogue fait encore, li pare pour le bay pays en chance, li vin avec même proposition sous table. Définitivement, quelle solution est là? Ou pas jamais jouer une solution parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes circonstances. Donc, faut que nous comprenions jounen jodi, hein, si c'est acteur politique n'aptan pour jouer en tête pour sortir pays à côté li a là, c'est la remessiate. Réunion a fait, concertation a fait, dialogue a fait, a toujours bon opposition qui a contesté. Journée aujourd'hui a un nouvel facile pour André Michel pour le pouvoir. Comment ça fait le facile? Ou comment ça fait le facile pour André Michel dans le pouvoir de transition ça? Parce que dans les circonstances normales, le bon président qui est élu à l'élection, le bon opposition qui en face lui, seule façon pour bon cohabitation entre un président élu. C'est un parlement pour lui.
Ça n'a pas au moment pour lui, c'est ça, nègre, pas, j'aime comprendre. Sous Jovenel Moïse, lui-même, lui, t'es voulu faire un deal avec nègre, pour nègre, t'es qu'à quitter le fin, faire mandat, pour nègre, t'es qu'à quitter le fin avec projet, lui. Mais, dis le pas, j'aime n'a intérêt, ni pouvoir Jovenel Moïse, ni population. Parce que, nègre, ça, yo, qui t'es dans l'opposition, enfin, Jovenel Moïse, toute volonté, toute intention, c'était voler, plein poche, aller. Journée, jeudi, en Noël. Nous pas seulement constater non, nous wèli parce que c'est ça y a fait jodi an là. C'est ça y a fait. Yo pas gen aucune, yo pas gen aucun plan vraiment. Yo pas gen aucun bagay nan plan yo nan agenda yo. Yo pas gen aucune proposition vraie. Yo t'a vinn sous table avec sinon que yo t'ai besoin Jovenel aller pour yo même pour yo vini pour yo faire ça yo t'ai gen pour yo faire et ça yo t'ai gen pour yo faire c'est exactement ça y a fait journée jodi an là. C'est exactement ça y a fait. Et je me dis au commencement vidéo, eh bien, président PHTK Aline Balthazar, même Aline Balthazar ça nous connecté si encore en septembre. Même Aline Balthazar ça qui t'a supporté Ariel Henry dès le départ, eh bien André Michel saute côté sorti là, lui paraît pour mettre division entre PHTK et Ariel Henry. Et pour rappel, Ariel Henry, li joue une bénédiction, joue un aval, li joue une approbation PHTK, mais Ariel Henry, li pas sorti dans la structure et PHTK. On nous regarde avec l'interview qui était réalisée à Aline Balthazar avec M. Magic Neufio. On va gagner plus de détails. C'est Aline Balthazar, président parti Haïtien Tête Calée. M. Balthazar, bonjour, bonne année et bienvenue sur Magic Neuf. Oui, bonjour à toute équipe panel magique là. Bonjour à toutes fidèles auditeurs auditrices de Magic 9. Et puis bon, avec quelques jours de retard, m'a souhaité nous toutes une bonne année. Et parce que nous besoin ça, nous besoin ça. Encore une fois, c'est toujours avec un plaisir que moi vraiment échanger avec nous. Donc, nous mettez-moi à votre disposition pour nous embrasser l'idée sur la situation pays. Encore une fois, merci pour l'invitation. Merci aussi de se répondre avec l'invitation, nous, Ridi Balthazar. 21 décembre 2022, exécutif là, et Dr. Ariel Henry, plusieurs partis politiques et des organisations de la société civile et des secteurs dans classe des affaires là parafé un accord qui est nous joint à 21 décembre à COSAM qui prévoit organisation élection et puis pour remettre pays à des élus d'ici le 7 février 2024 parti Haïtien Tête Calée pas signé accord là il y a monde qui dit PHTK en conflit avec le Premier ministre Ariel Henry, il y a pile parole qui parle. Et l'occasion pour vous, et M. Balthazar, pour dire pour qui ça peut acheter qu'à passer à 21 décembre avec le Premier ministre Ariel Henry. Et si et est-ce que c'est vrai que PHTK est en conflit avec le Premier ministre Ariel Henry? Oui, ok. Ou presque poser trois questions en une, parce que répondre à tous les trois questions. La première chose, c'est pas PHTK seulement pour signer l'accord 21 décembre. Dit puis bon qu'on dit bon ensemble de partis politiques, de forces politiques qui pas signé l'accord 21 décembre. Donc c'est pas PHTK seulement. On t'a dit que bon on est que et petit Dessaline pas signé ni famille Lavalas pas signé, OPL pas signé. Et l'autre patient, un plusieurs l'autre union patient, ni publicité. Donc, la paix patient, ni. Donc, ou ensemble de forces politiques qui patient. Donc, c'est pas PHTK seulement. Mais sauf que, Ariel Henry, c'est. Oui, moi patient, PHTK patient. PHTK patient. Deuxième chose, pour qui ça nous. Alors, on y a là. Pour qui ça nous patient, ni. Parce que, nous t'attendons, et là. Propos introductif de M. Robertson Alphonse ce matin, à entendre le cri du cœur lancé par M. Alphonse Matin, dit ben nous raison de ce que nous faites, nous dit nous pas signer encore 21 décembre. Parce que c'est pas politique fiction l'a fait, et M. Sénat. Lorsqu'il y a un accord, c'est pour
améliorer une situation politique ou bien une situation militaire ou une situation sociale. Qui ça nous remarque? C'est que depuis signature accord 21 décembre, tout le monde voit que ce pays a vu plus mal qu'avant 21 décembre. Ni sur le plan politique, ni sur le plan économique, parce que entre temps, on prend une entreprise qui ferme, nous prenons nouvelle dans Caracol, on prend une entreprise qui ferme. Ni sur le plan et sécuritaire, situation vine pis mal. Donc, fort de ce constat-là, il n'y a pas qu'à vendre nous l'accord du 21 décembre comme un outil qui va résoudre le problème pays. Donc, tout le monde constate que la situation pays a vine pis mal. Troisième chose. PHTK et Lune Baltazar pas en conflit avec M. Ariel Henry, ou bien Premier ministre Ariel Henry, nous, pour sa personne, parce que d'autant plus que Lune Baltazar et PHTK participaient, contribuaient à la nomination de M. Ariel Henry comme Premier ministre quand il s'agissait de côté nommé ou le président Jovenel Moïse se nommé comme Premier ministre. Nous participaient activement à la nomination de M. Ariel Henry comme Premier ministre. Mais par contre, nous avons des divergences et des oppositions avec les décisions politiques ou les décisions politiques que le pape prend ou les décisions politiques qu'il prend. Donc, ce sont accumulation de mauvaises décisions depuis 19 mois qui viennent faire que le pays a une situation d'ingouvernabilité et qui viennent faire que nous-mêmes, l'INE Baltazar, PHTK, pas capable de continuer à associer à une série de décisions politiques qui, pour nous, a mené un pays à la catastrophe. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et il est basé tout simplement sur des faits que tout le monde est capable de constater. Oui ou non, pays a pas pris mal avant 21 décembre ou hier. Est-ce que PHTK en opposition avec le Premier ministre Ariel Henry? Moi, je réponds que PHTK n'a pas retrouvé la décision politique qu'a pu prendre depuis un certain temps et qui vient culminer avec ça qui est le 26 janvier, ou 26 janvier, ça qui passe la caille pour le ministre, ça qui passe la résidence officielle et ça qui passe l'aéroport, c'est une situation qui mettait les institutions républicaines de ce pays en danger et qui même mettait vie et bien monde en danger. Donc nous toutes en danger. La preuve, c'est que par la voix de son représentant au Conseil permanent de l'ONU à l'autre jour, M. Léon Charles qui a porté parole au gouvernement, pas dit autre chose. C'est lui qui dit que le pays est en feu, le pays est en flamme, la famille haïtienne est en danger. C'est pas moi qui dis, c'est le gouvernement qui dit. Monsieur Baltazar. Et il prend exemple, ça qui passait le 26 janvier. La seule chose, avec la seule différence, nous faisons même diagnostic avec M. Léon Charles, avec la seule différence, c'est que solution proposée, nous-mêmes, nous pensons que ce n'est pas la solution. Ou pas qu'a dit que le feu, l'autre dit que le pays est en, et la maison haïtienne est en feu. Nous-mêmes nous dit que c'est mauvaise décision qu'on va prendre qui mettait en feu, ou pas capable d'appliquer les mêmes décisions. Donc, en sens, ça, nous-mêmes, nous, en rupture avec ce qui se fait actuellement, sous base constat simple et au quotidien, que la situation s'empire depuis la signature de l'accord du 21 décembre. Okay. En aucun cas, il n'y a pas qu'à offrir un accord 21 décembre, non, comme une solution à la crise haïtienne. D'autant plus que le paradoxe que M. Sénat n'a pas. Pendant que le représentant du gouvernement et au Conseil permanent de l'OEA a vanté les mérites de l'accord du 21 décembre comme solution à la crise, tout le monde l'a validé sur là et puis tout ambassadeur qui a fermé activité sa dernière semaine. Moun l'a dit que l'accord a bon, moun sa yo sa dernière semaine, face à l'insécurité croissante, il a fermé toute activité ambassadeur. De quoi on parle? Faut qu'on sérieux. C'est pas politique fiction à faire, son pays n'a pas géré. Donc, c'est ou bien après décision pour gérer le pays, auquel cas, il faut prendre les bonnes décisions, ou bien, pour interpeller, nous-mêmes, n'a interpellé le premier ministre que nous puissions participer dans le choix,
nous dit la direction Vraléa, direction ça pas bon à pays là, et ça mettait tout le monde en danger. Et c'est ça qui expliquait que les forces politiques qui conscient de ça, yo même yo tout le monde fait pour interpeller par cette situation là. Voilà, okay, nous pas okay. Nous pas en opposition avec Dr. Ariel Henry, mais en opposition avec des décisions politiques qui maladroites, qui mauvaises et qui mènent le pays à la catastrophe. Maintenant, et, dans la fin de l'année 2022, je crois que c'était en octobre, il y a le Canada qui a annoncé des sanctions qui visaient l'ancien président Michel Martelly, le même qui était fondé et PHTK. Moun ki ap gade sa, yo estime c'était capable yon fè ki provoke désaccord, désunion, ou bien, comme on dit, nous pas dans opposition, donc on pas capable parler de divorce, mais ça t'a capable yon fè ki mette problème dans relation gouvernement, régime que Ariel Henry a dirigé avec famille politique PHTK. Moun ki gen lecture ça, li trompé ou pas trompé? Yo trompé yo, puisque nous-mêmes, nous commençons à dire manifester des accords avec les décisions politiques bien avant cette décision de pour mettre des sanctions individuelles sur des mondes. Nous-mêmes, nous sommes le premier à dire que l'accord 11 septembre n'a caduque et qu'il fallait que le gouvernement joigne une nouvelle entente avec les forces politiques et sociales pour joindre une nouvelle légitimité. L'ENCAP dit ça, c'était déjà parce que nous avons senti que, un, que l'accord du 11 septembre qui était signé par le Premier ministre avec les forces politiques pas appliqué et l'été caduque parce que dès les fatalités qu'il y a là-dedans, pas taper et exécuter. Donc, nous, depuis l'EA, nous avons commencé à attirer attention gouvernement et Premier ministre. Là, sont une série de difficultés politiques. Mais nous pas quand ça n'avait sanctions pour quand même commencer à parler. Donc entre les sanctions que on prend sous monde et positionnement politique d'un parti politique et c'est deux choses différentes. Mm-hmm. C'est deux choses différentes. Ça n'a rien à voir avec le positionnement politique, donc, analyse politique nous et non. PHTK pa gen dan kontre Premier ministre Ariel Henry parce que sanction. Mais PHTK pa gen dan kontre Premier ministre Ariel Henry, mande Lini Baltazar participer dans négociation et recommander là le Premier ministre Ariel Henry pour qu'il n'a qui ça. Mais monsieur Sénat, combien fois vous me dites ça? Non, mais Lini Baltazar participer, nous avons pas écoutez, nous pas besoin de mettre secret d'état dehors. Mm-hmm. Docteur Ariel Henry connaît qui participation PHTK et Lini Baltazar joué dans sa nomination comme Premier ministre. Nous pas non. Docteur Ariel Henry toujours était pas nous même si nous gagnons et de désaccord avec lui sur le. Non, mais écoute, c'est la politique n'a fait et moi donc que un m'pas gagner aucun intérêt personnel contre Docteur Ariel Henry. Mais nous c'est politique. Les décisions politiques qu'a prend yo nous pas retrouver nous là-dedans yo, et okay. Nous pas retrouver là et pas nous seulement. OK. Est-ce que vous pensez monsieur Sénat, est-ce que vous pensez et sacrivé dans l'école et Thomas Saint-32 a son bagage qui est agréable pour tout le monde. Est-ce que vous pensez moun y a kidnappé chaque jour l'embarras son bagage qui est agréable. C'est ça. C'est les c'est conséquences des mauvaises décisions qui ont été prises depuis 19 mois. Donc, dans ce sens-là, de deux choses l'une, nous dénoncer les mauvaises décisions, et puis, nous demander, il y a des gens qui disent, Dr. Ariel Henry, et mettre clé à sous table pour l'aller, mais nous-mêmes, PHTK, nous dit, un, nous pas d'accord avec ça, nous préférons rentrer dans la dynamique avec vous pour changer de position pour faire les choses autrement de manière consensuelle. OK. Maintenant, est-ce que... Donc, en nous clarifiant ça, nous avons besoin... Lini Baltazar, PHTK, a activement participé dans la nomination Dr. Ariel Henry comme Premier ministre. Et l'endap fait là, le monde qui est autour d'Ariel Henry, c'est dans le pays l'opioté, c'est dans
dans dit que ils ont plutôt boule les pays parce que ils ont quitté Jovenel et gouverner ils étaient là l'autre bagage hein? Donc l'aime t'a fait négociation pour que non même comme premier ministre moun ka décide avec Kounye, c'est dans pays là que l'encraser pays yoté. OK. Maintenant un auditeur qui dit et qui décision ça au pouvoir Ariel Henry prend que nous pas d'accord avec eux et moi t'a aimé inviter à énumérer quelques décisions pour nous très rapidement avant de passer à un autre sujet d'entrevue. Non, mais nous pas besoin d'indice intégré, nous n'avons que prend certains indicateurs seulement. Est-ce que auditeur est à l'aise pour qu'on y a là la paix? Il a changé on goûte, il a besoin 160 gouttes à peu près pour $1. Alors que, et avant, il était, bon, sans pas donc, citer, non, à un certain moment, il était 60 gouttes pour $1. Est-ce que l'auditeur est à l'aise, vous n'y a, avec le fait qu'il y a un taux d'inflation de 40% dans le pays? Est-ce que l'auditeur est à l'aise avec le fait qu'il n'y a pas qu'à traverser Cafou, il n'y a pas qu'à traverser Al-Landor, il n'y a pas qu'à traverser, et il va pas traverser pour aller vers Gantier, il va pas même monter la boule. C'est de ça qu'on a parlé. OK. On va parler de décision non même monde ou moins ou bien bambou faveur non. On okay. On avance. Donc c'est si nous pas confortable quand il a l'aise oui. Avec ça. Donc si bon bien, c'est bon bien nous pas confortable avec les mauvais résultats et que premier ministre. Mais c'est de ça que nous okay. parler. OK, nous comprenons. Okay. Nous va parler de bagages personnels, nous on apprend de bagages au quotidien. Est-ce que n'a vive plus bien aujourd'hui qu'il y a 2 ans? OK. C'est la question qu'il faut se poser. Maintenant, il y a une série d'indicateurs qui montrent clairement que la vie aujourd'hui, nous plus mal, nous vivons plus mal, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Monsieur Balthazar, on nous avance et son... Non, monsieur Seda, est-ce que ça me dit correct ou bien pas correct? Non, je comprends, on comprend plutôt, et puis, ouais, parce que moi-même, c'est pas politique fiction m'a fait. Ok. N'a parlé de, au quotidien, nouvelle, la vie quotidienne sens, des gens, et c'est pas bagaille personnel qui intéresse nous, au quotidien des gens en général. OK. On va avancer sur l'autre point rapidement. Et le 30 janvier, il y a plusieurs partis politiques qui font une déclaration que le sénateur Edgar Leblanc, qui est le coordonnateur général au PL, lui-même l'a signé pour lui capable d'annoncer ça. Nous prenons décision pour nous parler. Nous faisons opinion nationale avec internationale là qu'on est. Et nous avons une grosse tête chargée avec vide ça, nous constatons dans notre pays. Et bien nous décidons de concertation avec toute force Vive Nation pour toute disposition IJAN pour chercher une solution consensuelle durable qui est capable de redresser bac pays et établir la paix et la sécurité pour la vie reprendre. 8 partis politiques, ça, c'est une nouvelle alliance, c'est une nouvelle initiative, son l'autre accord qui s'allie exactement, M. Balthazar? Non, c'est pas ni une nouvelle alliance, ni un nouveau regroupement, ni rien. C'est tout simplement une série de citoyens, pères et de familles, pas dit mère parce que nous pas gain fille en temps nous, en attendant que gain fille, qui sont concernés par un événement privé le 26 janvier, et nous bien contents que même gouvernement sont concernés par ça qui passé le 26 janvier, qui montrait que, un, et nous tout en danger, et deux, que le monde qui a dirigé le pays a perdu le contrôle du pays. Si un monde qui sait d'esprit pas rendu compte que ça passe le 26 janvier, là, et au point international, là, c'est un indicateur clé que l'État et au contrôle pays a échappé à ceux qui nous dirigent, c'est que nous ne pouvons pas vivre dans le même pays. Et c'est pas pour rien que, encore une fois, moi, répéter que monsieur Léon Charles, qui dans sa déclaration devant le monde entier et au forum international, dit chaque passé le 26 janvier, où on a essayé d'attenter à la vie du Premier ministre, le pays est en feu. Donc, nous faisons constat, c'est, comme responsable politique, nous disons que le pays pour lequel nous avons besoin de diriger,
qui c'est Haïti. C'est comme si son caille nous voyait qui en feu caille là a crasé. Donc si nous continuons à boumer entre nous pendant que caille là a brûlé, l'a crasé, nous cap pas même gain caille pour nous diriger encore. Donc jodi a on pas pral l'engoumer avec petite Dessalines pour faire pouvoir parce que nous presque pas gain pouvoir encore. On pas pral l'engoumer avec l'Union, nous pas pral l'engoumer avec la paix. Il s'agit de faire en sorte que Kay qui relait Haïti a pas continué bouler pour nous capable au moins gain un pays pour nous aller pour nous diriger. Autrement dit, monsieur Sénat, si pour comme nous fait sortir dans la Coupe du monde football. C'est une bonne équipe football ensemble de monde qui signe une déclaration ça. Son bonne équipe football qui besoin à jouer un championnat. Yo rend yo compte que terrain pas bon, pas gain terrain, pas gain arbitre, pas gain terrain pas tracé, pas gain camp, pas gain public. Donc n'a pas entendu nous pour nous reconstituer terrain, le terrain de jeu, pour nous retracer, pour nous mettre des arbitres, des ensembles de règles, ou ensemble de règles qui va permettre que nous fassions une saine compétition entre nous. Mais okay. Pour le moment, pas qu'à gagner compétition entre nous, puisque pas gain terrain, pas gain arbitre, monsieur pas gain rien. Ok. Vous pouvez expliquer et dans quel contexte que plusieurs partis politiques ont décidé et contrer pour parler. Et gade moun ki te ka di, donc c'est événement 26 janvier avec Fenchita et avant ça n'a pas trop nécessité pour nous de chita, nous pas comprendre gravité situation ou moun ki pense le comme ça. Soit répondre. Non, c'est pas nous pas ka penser le comme ça, nous te connaît habitué et chita discuter sauf gon événement déclencheur la vie c'est comme ça gon bagaille qui rive qui déclenche un phénomène. Donc, l'événement déclenché, c'est ça qui passe le 26 janvier. Il va la caille non seulement déclenché, il déclenche même la caille gouvernement, il déclenche ou opération. Donc, l'événement déclenché, c'est le fait que nous venons rendre compte définitivement que le pays a échappé au contrôle des dirigeants, les institutions républicaines sont menacées, la vie et les biens dans ces pays sont menacés, parce que, monsieur Sénat, faut nous rendre compte, quand on pouvoir bien affaire avec une rébellion armée au sein de la force de sécurité, donc c'est pas bagarre où jouer avec ça. Donc, un malaise profond à l'intérieur du principal corps de sécurité que nous avons dans le pays, qui est la police nationale d'Haïti. Malaise, ça, dit pas daté d'aujourd'hui. Donc, ça veut dire que les autorités n'ont pas vu venir, n'ont pas compris, n'ont pas ressenti le profond malaise qu'il y a au sein de la police nationale d'Haïti. Et il n'en point aucun monde qui saint d'esprit comme citoyen, comme responsable politique, qui t'a souhaité que la principale force de sécurité nationale que nous avons dans le pays a t'a vu imploser ou bien exploser. En ce sens-là, nous dites-nous que le moment est venu comme responsable politique pour nous mettre Haïti au sein de nos préoccupations. La restauration des institutions républicaines, la restauration de l'autorité de l'État, la capacité des institutions et des institutions politiques, sociales et économiques de ce pays à apporter une réponse intelligente à problème de fond que nous avons. Monsieur Baltazar. Et en ce sens-là, et c'est pas nous seulement qui gagnons, nous pas penser que nous gagnons et la science infuse, nous pas qu'à faire pour contre nous, et ça fait nous prendre décision pour nous commencer à rencontrer l'autre monde, l'autre force politique organisée dans le pays, à commencer par une force dans le Montana et d'autres. Et les forces, les autres organisations de la société civile. Avant de regarder ça, nous allons faire et nous allons comparer deux événements, deux moments, puisque tous les deux graves. Même si j'ai en 2020, et d'ailleurs c'est en 2020 que Fantôme 609 a été créé, et il y a un bon mouvement levé campé, et les policiers mettaient cagoule dans la tête, et rentrer dans l'administration publique, bouler machine. Te même gain affrontement des policiers avec même FADIA sous champ de masse là et stang boulé te gon paquet de blousay songe en 2020 ba rappelle nous qui je PHTK à l'époque nous était sous pouvoir
et avec Monsieur Moïse, qui j'en ai appréhendé et mouvement ça, événement ça en 2020. Oui, mais c'est parce que nous avons une forme de récurrence, une forme de c'est des événements que nous avons déjà, ou dit en 2020, on va remonter à plusieurs années, l'institution policière qui depuis l'elle formée a, l'a fait face à une série de difficultés depuis l'elle formée. Depuis 94, il fait événement 94, il prend événement en 2000, il prend événement en 2004, il prend événement en 2008, il prend événement en 2010, il prend événement en 2020, qu'on y a la prend événement en 2023. Donc c'est à force que nous, ouais, que force police noire à vivre des événements et qui à des moments et différents, qui fait que nous-mêmes, comme responsables politiques et comme responsables sociaux, faut commencer à poser tête nos questions. Pour qui ça a sur ces 20 dernières années, principale force de sécurité que nous avons a passé une série d'épreuves et des épreuves qui presque mettaient l'existence en question. Il y a bagay PHT capable de faire en 2020 qui fait nous arriver là en 2023? Oui, mais on est capable de dire est-ce qu'il y a un bagay que le monde qui a dirigé en 2000 n'a pas fait, qui fait nous arriver en 2004? Certainement, il n'y a pas de fait. Non, mais je vous dis oui, possible, c'est possible. Là, nous parlons. Si on a posé des problèmes, qui est-ce qui est responsable? Ouais, on doit remonter jusqu'à la formation de la police. Après. Donc, nous clair sur ça, et M. Sénat, ces 20 dernières années, ouais, tout le monde qui est sous scène là, à un moment ou à un autre, il a participé dans la direction de l'État. Mm-hmm. Quel que soit le monde, quel que soit le camp politique qu'il a, à un certain moment, il a participé dans la direction du pouvoir. Okay. Ça veut dire qu'à un certain moment, nous tous, nous avons fait soit des mauvais choix, soit nous avons fait des bons choix, mais quelque part, nous tous, on parle de responsabilité dans sa vie première. Je comprends. Mais... responsabilité est capable il y a 2 ans, est capable il y a 4 ans, il y a capable, mais seulement, bon continuum, l'enchaîne d'événements que cap mène nous de plus en plus vers un côté que nous parlions aller. Donc, il doit faire remonter le plus loin possible. Mm-hmm. Moi, je n'ai pas besoin de rentrer lundi, c'est un tel qui est responsable. Nous, on nous fait constat que, bonne façon de comporter nous sur le plan politique, sur le plan social, et j'en ai fait business tout, bonne façon, ça n'a pas bon, et lui qui a mené nous dans sa nouvelle. OK. Et il y a plusieurs questions d'auditeurs, ma pose tout à l'heure. Maintenant, là, nous commençons à discuter avec l'autre force politique. Alors, tu as évoqué Montana. Nous dit que il y a une série de forces politiques, entre autres Montana, il y a l'autre, il y a des forces sociales aussi, il y a des forces économiques. Est-ce que nous commençons à discuter avec eux? Non, nous commençons à dire. Non. Et d'ailleurs, nous fait deux bagailles. Un, sont ensemble de forces politiques qui étaient concurrentes et qui ont continué à faire. Considérés comme concurrents, mais on va être mis pour ça. Nous faisons une déclaration commune, font un constat commun sous genre. La deuxième chose, c'est que nous acceptons que l'ami en nous gagne au monde qui est capable de porter la parole pour nous. Donc, moi-même, m'apprêter là. Je suis capable de dire que nous, dans la déclaration que nous faisons, nous pas jamais reconnaître nous comme monde qui a capacité pour résoudre problème pays trop profond pour 7 ou 8 responsables politiques qui mettent en tête que qu'on résoudre. Okay. Comme les problèmes là gain des dimensions politiques, des dimensions économiques, tout le monde connaît que gain gens mon a fait business, un type de relation que businessman monde qui a fait business gain avec l'État à travers la douane, à travers la DGI. C'est ça yo qui a bon nos problèmes pour nous résoudre, pour nous mettre les vrais problèmes sur la table pour que nous gagnions un pays qui est stable et qui est capable et fonctionner de manière et pacifique et paisible pour l'ensemble de ces citoyens.
Ok. Maintenant, tout à l'heure, on a venu avec question auditeur. Il y a un peu d'auditeurs qui vous question pour nous. Et on dit, on peut parler dans non, et regroupement de partis politiques, ça. Même quand on pose une question, ça, ou même personnellement, comme Major Jean PHTK, puisque si nous voulons discuter, nous voulons négocier, et de toute façon, il a négocié son avenir, et avenir Oui, immédiat du d'abord pays. je voulais parler d'avenir que du passé. Parce que le passé a notre responsabilité. N'abtourne En bon, fait, notre responsable là, il ont en dit pile, en pile, non, non, lève ni il d'autres questions. exagère notre Oui, responsable non, là. lève ça, c'est D'ailleurs, pas en face de notre. moi Tout question sur le responsabilité. monde qui est impliqué dans la politique actuellement, à un certain moment, il était responsable de la pays. Qui j'en vois à venir pour le ministre Ariel Henry? Non, mais pour le ministre Ariel Henry, a venu de prendre des décisions politiques que la prend, monsieur Sénat. Ça veut dire qui ça? Non, non, mais c'est monsieur Ariel Henry, il y a toutes quatre politiques, il dispose d'un accord, il dispose de l'appui de l'international seulement, il n'y a pas gain légitimité politique, donc il est capable de continuer avancer avec l'appui de l'international, l'agenda qu'elle fixait le 21 décembre. Oui. Et puis, s'il continue à faire ça va passer? Ben ça, je ne sais pas. La seule chose, c'est que moi, pas la donne. Ça veut Et dire pas PH. pas moi seulement qui pas la donne, il y a l'autre force qui pas la donne. Mais les gens doivent continuer à avancer la mise en place qu'il y a fait, Donc, si. installer HCT, faire CEP, faire bagaille, lancer processus électoral. Mais Ouais. nous-mêmes, nous ne pouvons pas élection ça. Bon, mais, nous déjà dit, nous pas la donner, et Ok. monsieur Sénat. Ok. Moi-même, il y a 30 ans, m'a observé à peu près, hein, à peu près en trentaine d'années, m'a observé bagaille politique en pays. Dernier, en 2014, nous avons assisté à un président qui est élu, comme président Martelly, qui était fait un CEP, qui convoquait le peuple en ses comices, qui mettait date sortie, et puis 15 jours après, il rentrait tout bas, parce que les partis politiques, unanimement, ont dit qu'ils ne peuvent pas participer à l'élection. Ça fait déjà un pays. Que le gouvernement lançait un processus électoral, et puis pour contre, il la donne. Même quand ils n'ont pas qu'à joindre CEP, ils n'ont pas qu'à joindre pour loger Bedak-Bek, ça fait déjà un pays. OK. Donc, si c'est la direction, ça, pour le ministre, ça veut aller. Il va aller, moi, pas qu'à empêcher l'aller. Ouais. OK. Qu'on est en nous pour question auditorio et il y a plusieurs questions qui viennent sur question insécurité là. Par exemple, il dit c'est pour connivence avec gang que sanctionner moun PHTK yo. Donc PHTK responsable des dégradations situation sécuritaire là. Dans même sens, Non, non. t'as le. Non, non, avec question mal Non, posée, aussi, au sanctionné, mon PHTK. bon tout dans l'autre question qui concerne PHTK tout. Rappelez Liné Balthazar que le PHTK était prêt pouvoir en 2011, t'es gagné au moins 13 000 policiers opérationnels et pays n'a pas gagné aucune zone de non-droit. C'est parce que tu as parlé de sécurité, tu dis tout le monde responsable. Non. Monsieur Sénat, ouais, Merci pour on fait l'info. bien. Sous 100 points. Les PHTK qui prennent pouvoir en 2013. En Non, 2011. PHTK, non, ouais, la première chose, PHTK entre en pouvoir à partir de 2017. Avec l'élection du président Jovenel, PHTK Ah bon? monte sur la scène. Ah, mais ils avaient un Mais nous en pile. où fait que ça dit en 2014 où t'es constaté que président Martelly t'es fait un arrêté, convoqué le peuple Saint-Comice, monté CEP, 15 Président jours. Martelly monté en pouvoir Président. sous réponse paysan, cher ami. Oui, Président mais Martelly pas élu sous PHTK. Le président Martelly, monsieur Sénat, ouais, c'est ça pour nous faire, où tout le monde a parlé de la même chose. Président Martelly élu sous réponse paysan. Président Martelly a été à l'origine de la création de PHTK comme parti politique, et c'est pas seul parti politique qui était créé dans la mouvance que y aurait les têtes caléas. Il y a plusieurs partis politiques qui étaient formés. Tantôt, il y a plusieurs partis politiques qui étaient formés dans la mouvance Lavalas. Donc, nous pas, pas, en nous préparer la 13 janvier,
le PHTK comme institution politique paraît sous scène politique là de façon officielle avec l'élection du président Jovenel en 2016, il prêtait serment le 7 février 2017. Monsieur Balthazar, c'est président Martelly qui crée PHTK. Quelque part, oui, c'est nous, vrai. Nous assumons l'héritage politique de Monsieur Martelly, même nous institutionnellement. C'est plus que héritage, c'est régime là. C'est régime là au pouvoir depuis. Ok. Mais nous sommes au pouvoir depuis 2011. Que c'est parti en lui-même. Ou bien fondateur parti a. Pour faciliter les choses, mouvement tête calée créé par le président Martelly, oui, et prend pouvoir et monter sous pouvoir depuis en 2011. Ok. Maintenant, okay. De 2011 à Jodia, de 2011, le président Martelly était monté sous pouvoir côté, effectivement, situation sécuritaire là, était très stable. À 2023, il y a une forte dégradation de situation sécuritaire là. Quelque part, ça c'est responsabilité nous. Ce n'est pas responsabilité de tout le monde parce que c'est monté sous pouvoir. Monsieur Sénat, en répondant à ça, ouais, pas en gars. Monsieur Martelly monté sous pouvoir en 2011, il quitté lui en 2016. Vous écoutez. Les monsieur Martelly quitté pouvoir en 2016, nous avons gagné pour corroborer ce qu'on a dit, oui. Nous prenons un indicateur simple. C'est qu'il y a 500 000 touristes qui étaient rentrés dans le pays, là, suivant le dernier chiffre publié par IHS. Aujourd'hui, il y a 35 000. Bon, ce qui s'est passé, on a dit mieux. Nous, il y a 500 000 touristes, les présidents Martelly qui étaient venus. Donc, si il y a 500 000 monde qui ont visité le pays, il n'y a pas aussi dans le sécurité que j'en ai dit. Donc, ce n'est pas président Martelly qui vient à gang. Donc, la deuxième chose, on dit quelque part le responsable. Moi, donc, depuis 19 mois, presque 2 ans, depuis nous-mêmes, PHTK a considéré, depuis président Jovenel mouru le 7 juillet 2021, nous passons au pouvoir encore. Par contre, président Jovenel, quelques jours avant de mourir, PHTK a participé dans la négociation sérieuse. Tu voulais faire un gouvernement d'ouverture, l'Ital choisi au monde comme premier ministre qui t'a gagné entrée et ses entrées et ses sorties dans l'opposition à la personne de Dr. Ariel Henry. Président Jovenel pas choisi au monde tête calée, PHTK pour te mettre comme premier ministre. Parce que M. Ariel Henry pas bien une trajectoire tête calée. M. Ariel Henry, membre fondateur Unité, et jusqu'à présent, il a dirigé avec ses amis politiques, sa famille politique, Unité alliée à SDP. Il va être ministre, non? Il était ministre, il était fait partie d'un gouvernement de coalition, parce que le président Martelly avait dû faire une alliance avec la branche Unité de Préval, et monsieur Ariel Henry te représentait Unité au sein de ce gouvernement, il n'est pas tête calée. OK. Monsieur Ariel Henry n'a pas aucune trajectoire tête calée PHTK. Il a fait partie du gouvernement de Martelly comme représentant de Unité. Il a été choisi par monsieur Jovenel Moïse comme premier ministre, comme membre de Unité. Et il se comporte actuellement à la tête du pouvoir comme un membre de Unité. Monsieur Balthazar. Allié à SDP. Monsieur Balthazar, où dit. Non, mais est-ce que vous répondez, monsieur? Oui, oui. Donc, afin de dire que c'est PHTK, non. Depuis. En 2011, nous passons au pouvoir. Depuis 2021, je voulais dire. Oui, okay. Depuis la mort, la disparition de monsieur Jovenel Moïse. Le PHTK n'est plus au pouvoir, son coalition
unité SDP qui a dirigé le pays depuis 19 mois. Bon, et vous étiez peut-être une question. Mon petit Jean perdu, parce qu'au début de l'interview, vous étiez participé activement dans le choix pour le ministre. Là. Moi, j'étais participé dans le choix, mais monsieur Sénat. Oui, mais pour qu'ils soient choix, vous n'êtes pas dans la même famille politique avec vous. Mais au même titre que nous t'es participé, même Jean, nous t'es participé au choix, les en 2014, sans stress, le président Martelly t'a choisi une figure de l'opposition. Comme premier ministre à la personne de M. Evans Paul, Linde Balthazar a participé aussi dans les négociations où il mettait en figure modérée de l'opposition comme premier ministre. Okay. M. Evans Paul était premier ministre de M. Martelly, mais on n'a pas considéré M. Evans Paul comme une tête carrée, comme PHTK. M. Ariel Henry a été choisi comme premier ministre par le président Jovenel Moïse comme figure modérée de l'opposition, ou pas capable de dire que M. Ariel Henry, parce qu'il a été choisi comme figure de l'opposition, il vient tête calée, il vient PHTK. Tant pour le président Aristide, en 2000, c'est fait un CEP qui a gagné, c'est gagné Dr. Volvic Remy Joseph Adani, puis qui a gagné Domingo Théronier, et qui a gagné l'ancien responsable du protocole sous Jean-Claude Duvalier, M. Matillon. C'était trois du Valéris que tu mettais dans le CEPA, donc pas qu'à dire trois du Valéris, ça, on t'est venu là, voilà. Donc, c'est une disposition politique qu'un président prend, il fait une ouverture politique sur des forces politiques, mais ça ne veut pas dire que Mounge le choisit à venir là, voilà, ou à dire Domingo Théronier avec M. Massillon, brusquement, je viens là, voilà. Bon, des... Ils sont restés des du Valéris, mais ils étaient alliés à famille là, voilà, sans la vie. Et à un moment de l'histoire, ça même nous, Jean, ça... M. Evans Paul et même Jean, M. Ariel Henry, M. Ariel Henry pas tête calé. M. Ariel Henry a été membre fondateur de IDT et il comportait comme tel. Et il m'a fait une belle rigueur pour ça. Moun ki ap observé que Jean politique fait en Haïti, ancrage politique là, il n'est pas toujours évident. Des fois. Non, oui, mais pas mettre moun dans PHTK alors que yo pas la donne. Moi-même, comme responsable PHTK. Et moun qui fait élection Jovenel Moïse. Moun connaît tout moun qui gagne appartenance tête calée. Sauf que donc pas mettez moun dans tête calée alors que yo pas la donne. Sauf que les moun yo choisi au nom gouvernement un parti politique qui sous pouvoir, yo agit en cou et de moun qui zélé dans parti politique là et discussion ça n'a pas quand dit ça de monsieur Ariel Henry. Donc nous gardez pays a gain sociologie les façon sociologie mon pas sociologie de tête calée. On pas dit ça, on pas vendre idée. N'a pas été fait discussion ça non l'autre occasion parce qu'il faut que nous finissions avec l'interview à M. Balthazar. Et bon, là, vous dites que PHTK n'a pas créé gang, pas armé gang, mais c'est un fait que gagne de monde qui a arrêté dans mauvaises affaires et qui, dans certains moments, ou bien jusqu'à présent, toujours pas affiché avec le président Martelly, qui est fondateur PHTK, il y a Lambal et Michel Martelly, etc. N'a pas été retourné sur ça. Est-ce que vous lignez Balthazar comme président PHTK, il en formation gang, il en bagaille? Parce que c'est moins qu'habilité pour me parler de PHTK, parler de moins. Ah, ça veut dire. Non, oui, allons. Jodiah, lignez Balthazar, président PHTK, me paraît, moi, dit, m'a pas assumé, tout ça m'a dit. Mm. Et les sanctions sont individuelles. Si, comme M. Martelly et d'autres, ben, moi, nous focus sur M. Martelly, mais il n'est pas le seul, il y a plusieurs autres. Donc, M. Martelly, pas diriger PHTK encore, pas dans PHTK. Il va gagner influence sur PHTK encore. Moi, donc, le mouvement tête calée a gagné plusieurs partis politiques qui formaient la mouvance là, et toutes réclamées de gain. Comme on dit ça par exemple, ils ont réclamé le leadership de M. Martelly. Ok. Donc, il est toujours influent dans le mouvement. Oui. Ah, moi, je dis mot dans l'autre. Ouais, donc, ou comme si, répétez mot par mieux, Non, parce que tu as l'air où tu veux faire quoi. Tout ça PHTK fait, c'est Linné Balthazar qui décide. Non. Tout ça PHTK fait, assumé par l'ensemble des mondes qui gagnent. Ok.
qui a une responsabilité dans le PHTK. Parce que Lydie Balthazar pas seul dans le PHTK, mais tout ça dit. Dernière question. Assumé par l'ensemble des gens qui ont responsabilité dans le PHTK. Dernière question, M. Balthazar, parce que vraiment, il faut que nous finissions avec l'interview. Et gouvernement te mande yon assistance internationale de sécurité et ki opinion sou demande lan, il gen Jamaïque avec Salvador qui di yo pare pou bay Haïti coup de main et ki jon comprenne ça, ki opinion sou ça. Bon, et nous pas gen la seule chose que nous constater sou Baltanon Ouest qui t'est passé l'an la dernière réunion qui t'est faite l'an conseil permanent de l'OEA, nous voyons que la position des États-Unis, dans des déclarations, il dit que les États-Unis sont en discussion, ils sont en discussion avec d'autres pays pour envoyer une mission d'assistance policière. M'entendez le Brésil qui te dit que eux-mêmes ils pensaient que tout ça qu'a fait, il faut que fait sous mandat de l'ONU. Moi, attendez, Canada qui dit que il faut éviter les erreurs du passé. Donc, on va pas répéter les interventions et qui étaient faites avant. Et surtout que l'ambassadeur Bob Ray a déjà dit que une intervention militaire en Haïti pas de mise. Bon, moi-même c'est ça que vous m'entendez. Par contre, si c'est bien l'autre monde qui devait attendre l'autre bagaille. Et la dernière chose, c'est que l'OEA a repoussé à une date ultérieure la demande du gouvernement haïtien. Donc, ils ont repoussé. Donc, son bagaille qui repoussé, pas dit au calendrier grec, mais à une date ultérieure, n'après ça. Okay. Donc, cela veut dire que les gens qui étaient trop pressés pour te picho pour te venir avec force multinationale, c'est eux, moi, qui de plus en plus a marché après les corridors. Okay. D'où la nécessité pour les Haïtiens, et c'est le sens de notre intervention, de notre déclaration, plutôt c'est Haïtiens eux-mêmes qui décidaient de façon pacifique, consensuelle, et cette fois-ci, en toute sérénité, décider qui ça a fait à PIA et qui j'en oublie PIA diriger pour les 5 à 10 prochaines années. Mmh. Bon, là, à ce moment-là, les fins un consensus national, réellement national, n'a intervenu auprès des partenaires internationaux pour aider nous. En attendant, les gens qui puissent chaud pour aider nous, toujours dit, on n'a pas de moyens, on n'a pas de payer. Ok. Excusez-moi, bon, peut-être que c'était la dernière question, mais on a dit qu'il partage avec moi là un document. Où tu travailles dans le cabinet pour le ministère de l'Henri? Non, moins dit que comme moi j'ai participé activement dans la nomination de M. Ariel Henry, il est tout à fait normal, ouais, il est tout à fait normal comme professionnel parce que c'est métier, et comme responsable politique, il est tout à fait normal que je travaille dans le cabinet et pour le ministre. Mais c'est moi-même qui refusais. Parce que sous base des divergences politiques que j'ai avec le ministre là, je t'ai offert ça, moi, refusé. Donc, si j'ai des bagages qui ont circulé sur les réseaux sociaux, comme accord ou bien contrat, c'est pas contrat pour vous montrer, c'est pour vous montrer est-ce que Liné Balthazar t'a touché un chèque en main en exécution de quelqu'un contrat? Okay. Jamais touché chèque en main et primature pour faire contrat parce que mes divergences politiques que j'ai avec toi pas autorisé à le travail dans le cabinet premier ministre là, même si c'est pas en faveur t'as fait moi, j'ai choisi de ne pas le faire parce que j'ai trop de divergences politiques avec. Okay. Mais c'est pas en faveur t'as fait monsieur t'as mis là. Moi, j'ai tout à fait l'emplacement parce que j'ai participé dans le gouvernement. C'est l'autre monde qui va taper l'emplacement. Mais moi, j'ai choisi de ne pas le faire. D'accord. Merci beaucoup, Lili Balthazar, d'être côté disponible pour nous matin. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Mes amis, attendez ça. Où c'est haïtien, où est mes pays, et puis on agit. Entre des
Émission mon éditorial, si espace analyse. Débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Sorti le lundi pour y faire vendredi. Depuis fait 2 heures que chez Chanel par là pour qu'à bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Nous bral la balle épée, nous bral fait débat. C'est toujours même Yannick là, même voix.